Shalom, shalom. Salut, chers frères et sœurs en Christ. Vous qui nous suivez depuis là où vous êtes, nous sommes à notre émission d'études bibliques communautaires appelée EBCI. En ce jour, nous sommes à la leçon 9, 1 Corinthiens 8. En ce qui nous concerne, nous sommes au jour 1, c'est-à-dire 1 Corinthiens 8, versets 1 à 3, intitulé « Paul reformule la question ». Paul reformule la question ici, il établit une relation, une différence entre la connaissance et l'amour. J'ai ici à ma présence quatre éminents étudiants qui sont chargés de répondre aux différentes questions posées. À ma droite, j'ai la sœur Élise Thio. Le frère Kwaku Kanklaude. Moi, je suis le frère Enoch Nyamele. Comme vous le savez, notre système d'étude, c'est la lecture de la parole de Dieu. Pour cela, nous allons lire une première version qui est Luc 2. Je lis donc dans la version Luc 2. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 3. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que vous avez tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Amen. Je vais lire la version, la parole vivante. La viande des sacrifices. La question des animaux offerts en sacrifice au faux Dieu, c'est sûr. Nous avons la connaissance tous, comme vous dites. Mais cette connaissance gonfle l'orgueil. Au contraire, l'amour construit la communauté. Si quelqu'un croit connaître quelque chose, il ne sait pas encore comment il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, Dieu le connaît. C'est ici prendre notre lecture. Je vous précise que je suis la sœur Sophie. Nous avons à notre portée quatre grandes questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses. La première question: quel est l'effet de la connaissance? Quel est l'effet de l'amour? C'est une question à deux volets. Oui, le frère. Merci pour la question. La réponse se trouve au verset 1. Oui. On dit la connaissance enfle. En d'autres termes, la connaissance rend orgueilleux, prétentieux. Oui. Et l'amour édifie. Pour renchérir, ça, on peut dire l'amour construit. L'amour donne la paix. L'amour même donne une longue vie. Donc voici un peu ma réponse sur ces deux éléments. La deuxième question: que pensez-vous de ce que Paul disait à propos de l'amour et de la connaissance? On dit, que pensez-vous de ce que Paul disait à propos de l'amour et de la connaissance? Ok, je pense que la réponse à la question est la continuité de la première question. Oui. C'est-à-dire, quand on dit que la connaissance enfle, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Oui. Cela veut dire que la connaissance rend orgueilleux, et celui qui est orgueilleux se croit au-dessus de tout. Oui. Il pense qu'il peut tout. Il pense qu'il connaît tout. Et il tente même de démonter l'existence de Dieu ou l'inexistence de Dieu. Et on voit cela souvent en philosophie, des gens qui démontrent que Dieu n'existe pas. Et c'est ce que la connaissance amène à faire. Par contre, l'amour, celui qui a l'amour, il est humble,
il est respectueux, mm-hmm. il veut du bien mm-hmm. de son prochain. Amen. À vous d'entendre parler, cela veut dire que celui qui a de la connaissance, lui, on peut dire qu'il nie Dieu. Par contre, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que si vous l'aimez, d'aimer votre semblable. C'est-à-dire, si tu aimes ton semblable, c'est comme si tu aimes Dieu. C'est aimer Dieu. Mais celui qui a la connaissance et qui n'a pas l'amour, c'est-à-dire, il nie l'existence de Dieu. Amen. Qui d'autre a une contribution? Oui, la sœur. Voilà, selon moi, à propos de la connaissance, c'est-à-dire, quelqu'un qui croit tout connaître, mm-hmm. il se croit supérieur à tous. Mm-hmm. Et il est orgueilleux, il voit tout le monde mm-hmm. au niveau bas, c'est-à-dire, lui, il est au-dessus de tous. Mm-hmm. Alors que quelqu'un qui aime, et c'est ce que Dieu nous demande de faire, mm-hmm. il ne se voit pas au-dessus de tous. Mais mm-hmm. à cause de l'amour qu'il a pour l'autre, même quand tu vois que tu connais plus que l'autre, mm-hmm. tu lui apprends. À cause de l'amour que tu as pour ce dernier, tu te fais au même niveau que la personne pour apprendre à cette personne. Alors que si tu te crois au-dessus de la personne, oui, oui. la personne ne pourra pas s'approcher de toi pour apprendre. Mm-hmm. Voilà, mm-hmm. c'est ce que je voulais dire. Donc vous voulez dire par là que malgré ta connaissance, toute ta faculté intellectuelle, tout ce que tu connais, il faudrait que tu aies l'amour. Exactement. Si tu as l'amour, mm-hmm. tu peux aussi apprendre celui qui ne connaît pas. Exactement. Amen. Donc cela veut dire que la connaissance dans ce sens-là construit. La connaissance plus l'amour construisent. Amen. Amen. On va passer à la leçon 3. On dit comment est-ce que l'amour peut édifier quelqu'un? Comment est-ce que l'amour peut édifier quelqu'un? C'est une question, je pense que c'est une question ouverte, oui. Oui, le Moi, frère. Je pense que l'amour, c'est un sentiment qu'il faut manifester, mm-hmm. il faut l'extérioriser, mm-hmm. il faut l'appliquer, mm-hmm. c'est pratique. Mm-hmm. C'est vrai que c'est un sentiment intérieur, mm-hmm. mais il est plus visible quand on l'exprime. Mm-hmm. Donc, on peut le manifester à travers l'assistance à quelqu'un. Mm-hmm. On peut le manifester par la solidarité. Mm-hmm. On peut le manifester par le don de soi. Mm-hmm. On peut le manifester par le soutien mutuel mm-hmm. dans toutes choses. C'est ce qu'il peut dire. Oui, merci frère. Oui, le frère. Bon, moi, pour répondre à cette question, je vais prendre un exemple. Par exemple, mm-hmm. dans le cas d'une personne qui a perdu quelqu'un, qui est dans un état de deuil, l'amour peut le diffuser dans le sens du soutien. Le fait que nous soutenons cette personne, nous pleurons avec cette personne comme la Bible nous le dit, cela peut diffuser la personne et aider cette personne à surmonter ses difficultés, même aussi dans les cas de joie. Si une personne a eu un moment de réjouissance, le fait que nous assistons cette personne à ce moment de réjouissance, nous partageons son bonheur, ça lui fait du bien et ça rapproche et ça édifie. Donc pour moi, c'est dans ce sens que l'amour édifie, peut édifier quelqu'un. Ce n'est pas seulement aussi dans le bonheur comme dans le malheur. Quand tu as l'amour de ton prochain et que tu partages son malheur, aussi, ça peut aussi l'édifier, ça peut le réconforter. Ce n'est pas seulement dans le sens du bonheur, on peut voir aussi dans ce sens-là. Merci frère. Oui, qui d'autre? Comme le frère Enoch le disait tout à l'heure, en étant près de cette personne, oui. la personne peut, ça dit, sentir comment tu l'aimes. Oui. Et cela peut amener la personne à, peut-être, si c'est quelqu'un qui ne connaît pas Christ, mm-hmm. à chercher à être comme toi, à chercher à s'approcher de toi. Et cela peut amener la personne à Christ. Mm-hmm. Voilà, donc je crois qu'en ce sens, l'amour peut édifier quelqu'un. Aussi dans ce sens-là, j'aimerais ajouter aussi que ce n'est pas seulement en milieu chrétien. Tu peux être chrétien et puis tu peux trouver quelqu'un qui n'est pas chrétien, que tu connais très bien. Par l'amour pour lui, tu peux aussi l'amener à Christ, tu peux l'édifier. Et puis la vie en Christ, mais c'est la meilleure édification. Que Dieu te bénisse. Nous passons à la question 4. Quelle comparaison Paul a-t-il fait dans le verset 3? Lis le verset 3 d'abord. D'accord. Au verset 3, il est dit ceci. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Voilà. Ici, Paul dit que si quelqu'un aime Dieu, alors Dieu connaît cette personne en retour. Ici, je pense que dans ce texte, la connaissance en tant que telle n'est pas une mauvaise chose.
c'est bien de connaître. Oui, oui. Mais Paul veut nous faire savoir que si tu connais et que tu n'aimes pas, cette connaissance ne te profitera pas. Oui, oui. Et comme on peut le voir aussi dans 1 Corinthiens chapitre 13, en parlant des choses qui allaient demeurer, il dit maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Ici, Paul veut nous dire simplement que la connaissance est bonne, mais l'amour est au-dessus de la connaissance. C'est pourquoi il dit, mais si quelqu'un connaît Dieu, celui-là est connu de lui. Le plus important, c'est d'aimer. L'amour est plus important que la connaissance. Amen. Qui d'autre, lui, le frère? Ok, moi, je voudrais prendre le verset sous un autre angle. Si on dit, si la parole dit, si quelqu'un connaît Dieu, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Si on prend le revers, ça dit si quelqu'un n'aime pas Dieu, Dieu ne le connaît pas. Dieu ne le connaît pas. Merci frère, oui. C'est ce que ça veut dire. Oui. Ça dit que pour que Dieu puisse connaître quelqu'un, il faudrait que cette personne puisse l'aimer. Donc ici, le verset nous amène à manifester notre amour vis-à-vis de Dieu. Et vis-à-vis de Dieu, comme la parole de Dieu le dit aussi, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas notre prochain qui est là. Ça sous-entend qu'on doit aimer notre prochain et aimer Dieu. Donc ici, il met en exergue l'amour. Certes, la connaissance n'est pas mauvaise, mais l'amour plus la connaissance fait de nous un enfant de Dieu aguerri. Amen. Merci. Amen. Oui. Bon, au thème de ce que nous voulons d'entendre, nous pouvons dire à la fin de cette partie d'écriture que la connaissance sans l'amour est un danger pour la communauté. Amen. La connaissance sans l'amour est un danger pour la communauté. La connaissance qui compte n'est pas ce que nous savons, mais ce que Dieu sait. Lorsque quelqu'un aime Dieu, Dieu le connaît. Shalom, je suis la sœur Sophie. J'étais très heureuse de partager cette portion d'écriture avec vous. Que le Seigneur nous bénisse. Avant de passer à la synthèse, j'aimerais exhorter chacun de respecter les barrières, les mesures de barrières prises par l'État. Car la parole de Dieu dit, respecter Dieu, c'est respecter l'ordre qu'il a établi. Alors maintenant, nous allons présenter le frère, l'éminent étudiant qui est chargé de nous apporter la synthèse. Que Dieu te bénisse, frère. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Samuel Richemont, je suis chargé de faire la synthèse du jour 1 de la leçon 9. Et le texte qui nous intéresse ce matin se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je fais la lecture. Il dit, pour ce qui concerne la viande sacrifiée aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Nous allons faire la synthèse de tout ce que les étudiants ont dit tout à l'heure. Bien-aimés, l'église de Corinthe avait posé plusieurs questions à Paul par rapport à des questions. C'est pourquoi depuis 1 Corinthiens, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, Paul a répondu à plusieurs questions. À plusieurs questions sur les divisions dans l'église, à des questions sur le mariage et le célibat. Et le chapitre 8 dans lequel nous sommes, Paul parle ici de la viande sacrifiée aux idoles. Nous savons qu'à Corinthe, les gens adoraient beaucoup les idoles. Et pendant les fêtes païennes, la nourriture qui était faite, la quasi-totalité de ces nourritures-là était consacrée aux idoles. Et pendant ces fêtes-là, souvent on invitait des chrétiens. Et il y a certains qui allaient. Et cela a créé la confusion, je veux dire, dans l'église de Corinthe. On se posait la question de savoir, est-ce qu'on va répondre à une invitation, je veux dire, d'une famille où, par exemple, la viande qu'on a, on sait que cette viande-là est sacrifiée aux idoles. Mais bien aimé, ce jour, nous allons revenir sur une phrase que Paul a relevée dans les versets qui nous concernent. Il dit effectivement que la connaissance enfle, mais c'est la charité qui édifie. À l'église de Corinthe, on avait de la connaissance. Les gens connaissaient le Seigneur, ils connaissaient leur position en Jésus-Christ, ils savaient ce que c'est que les idoles, ils savaient que les idoles étaient des faux dieux,
et que leur identité en Jésus-Christ aujourd'hui était une identité qui les mettait au-dessus, je veux dire, de tous ces faux dieux-là. Donc pour cela, certains se permettaient d'aller dans le temple, d'aller dans les maisons s'asseoir et manger de la viande sacrifiée aux idoles. Mais Paul va dire comme ça que cette connaissance qu'ils avaient, cette connaissance-là les enflait d'orgueil, parce que cette connaissance n'était pas soutenue par l'amour. Et Paul va prendre la peine de relever ceci, que la seule chose qui construit la communauté, qui édifie la communauté, la seule chose qui fortifie les frères et sœurs, je veux dire, c'est l'amour. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous avons tendance à poser des pas, nous avons tendance à poser des actions, nous avons tendance à dire ceci ou dire cela dans la maison de Dieu, mais il faut que tout ce que nous faisons ou tout ce que nous allons faire, je veux dire, ait pour fondement l'amour. Si l'amour n'est pas le fondement, je veux dire, cela ne peut pas construire, ne peut pas édifier, je veux dire, la communauté. Bien-aimé, ce matin, que le Seigneur nous bénisse. Dieu veut faire du bien à sa communauté. Nous sommes tous responsables. Nous avons de la connaissance. Nous connaissons notre identité en Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu, gens de la maison de Dieu. Nous savons que nous sommes puissants en Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut que toute cette connaissance-là ait pour fondement l'amour, pour que cet amour-là puisse édifier l'Église, puisse fortifier chacun de nous. Que Dieu ce matin nous bénisse et que Dieu bénisse son Église. Prions le Seigneur. Merci pour ce moment que tu as permis. Nous bénissons ton nom pour ce message. Seigneur, l'amour édifie, mais la connaissance nous rend fiers et peut nous rendre orgueilleux, Jésus-Christ. Nous voulons te prier ce jour afin que tu aies ton peuple éternel. Nous sommes appelés à vivre en communauté, à poser des actions. Éternel Dieu, parce que nous sommes chrétiens, nous devons faire attention. Et il faut que tout ce que nous devons faire soit marqué, éternel Dieu, par l'amour, afin que cela puisse édifier tous ceux qui sont autour de nous. Nous bénissons ton nom et te sommes reconnaissants. Béni sois-tu pour ce que tu fais dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.